thing in the sense that people, you tend to have a certain level of trust also. Yeah, it's actually a good question, because when we transition from B2C, like consumer IoT, to do things like medical devices and robotics, we're not too confident whether we would be able to support, like to validate, but also support technically. I think our first deals, we actually were not quite sure what we were doing, but we were ready to, you know, spend to learn, and over time, gradually build some expertise. And that's where also as a VC, you need to communicate and adjust your positioning in the eyes of the market, so people understand what you stand for. For many years, people thought of us as like the Kickstarter guys, because we had like 100 Kickstarter projects. But today, 90% of our deals are B2B, there's a lot of health, a lot of enterprise, a lot of robotics. So we had to communicate around that, and that's why like events like this, saying, okay, let's do an event on deep tech, and you do deep tech. So the adjustment positioning goes hand in hand with the experiments you do, or the new deals you do, on the constitution of a network to help you to do your due diligence. So how about you, Elia? So for a traditional VC, it's more challenging. We don't have a business unit and a global presence, and for and even very deep technology to investigate. So most of the times, scientists that launch this project, they are the best in class in their field. So it's very difficult to challenge them on the technology. But it's still possible to find peers or key opinion leaders worldwide to help us to really better understand the advantages of the technology, and the science is solid enough to move forward. But it's based mainly on a network. So a traditional VC, it's a team of 20, 30 people. So it's we cannot rely just on our technical background, and we have to work as much as possible with academics, and to and also with peers in other universities, in foreign universities, to mobilize this expertise and to help them to better investigate this part. But anyway, the technology due diligence is never the most important point. It's most of the time we try to focus more on the business aspects, because most of the time the science is solid and the technology as well. And it's too early to really have a good idea of the final specification and to understand what the value, the advantage the technology can give, bring at the pre-seed or seed stage. It's part of the risk we can take as investors. Maybe I'll add one thing, is that I think for all of us when we invest, we also see a prototype with some level of functionality that demonstrate that some of the technology works. So we don't invest before there's some level of functionality in the prototype that demonstrates the core. Okay, I hope that answers the question. And yes? I mean, maybe to complement, I think it's also one area where we have to accept that we're going to invest in something we can't master. There's just no way we can master everything, and it's easy to understand certain concepts in digital world or in software and things like that, but when you reach deep tech, sorry, that's how it is. And so I think that's also part of the game, to accept that we are betting on something that we don't completely understand. Fair enough. I see one question and then here. Bonjour. Alors moi j'ai une question qui est un peu longue, que je vais adresser premièrement à Mathieu, après vous pourrez apporter vos précisions. Si vous êtes familier avec la voiture autonome, je pense que vous savez que c'est une technologie qui a émergé beaucoup aux États-Unis avec des projets de recherche de défense, notamment DARPA, qui est devenu le DARPA Challenge dans les années, le début des années 2000. Et on... Je vais te demander de faire court. Ouais. Et, non, mais c'est une question super importante. Donc, je pense.
Donc toutes ces teams qui ont participé au DARPA Challenge, c'était des étudiants de grandes écoles comme MIT, etc. Et au final, tous ces étudiants sont devenus les CEO, les CTO des grandes entreprises de voitures autonomes que sont Argo, Waymo ou Aurora. Et ça pose une question, parce que vous êtes un Airbus, c'est quand même un gros projet européen. Vous êtes basé aux États-Unis, votre Ventures. Est-ce que du coup, vous avez une approche aussi un peu public affairs, où vous essayez de pousser l'Union européenne ou les gouvernements ou les projets inter-institutionnels vers de l'investissement dans les universités, dans les start-up, ou est-ce que vous avez une approche mondialiste en disant oh, nous on va aller chercher le meilleur projet possible et peu importe si c'est européen, français, etc. etc. Je vais répondre, essayer de faire une réponse courte. Mais... Donc, Airbus Ventures, c'est un fonds indépendant d'Airbus dans sa gouvernance, sa manière de fonctionner. Donc nous, on est vraiment un VC et on a vocation à investir dans les meilleurs projets. Et si les meilleurs projets viennent, je ne sais pas moi, de suite des États-Unis, de Belgique ou je ne sais où, notre métier à nous, c'est d'aller financer ces projets-là, d'être capable de les détecter et de les accompagner, de les accélérer. Donc je pense que, enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, notre rôle, c'est un rôle d'investissement. On n'est pas un instrument qui a vocation à pousser, incentiver des politiques publiques. Et je ne pense pas que d'autres fonds le fassent. Après, en tant que fonds, c'est dans notre intérêt aussi que les politiques publiques se mettent en place et essayent de faire émerger des écosystèmes, leur donnent les moyens de grandir pour que nous, on puisse faire notre métier derrière. Donc il y a quand même une certaine forme de synergie, mais j'avoue que nous, aujourd'hui, on n'a pas d'activité de type public affaires, notre boulot, c'est l'investissement, et ça, c'est pas notre monde. C'est souvent un monde qui est quand même très biaisé par des considérations politiques, des considérations de souveraineté nationale, des considérations de ce type-là. Et à mon avis, c'est pas très bon de biaiser le jeu de l'investissement. En tout cas, quand nous on investit, si le jeu est biaisé par ce type de problématiques, j'ai envie de dire qu'on se retrouve dans des situations qui sont pas toujours très, très saines. Et donc moi, j'ai plutôt tendance à essayer d'éviter ce genre de sujet. Pour ajouter sur ce sujet rapidement, il y a des initiatives qui cherchent à créer une espèce de DARPA européen, et donc on peut espérer que ça amène à la création justement de technologies qui sont aujourd'hui un peu en avance de phase, mais qui pourraient donner naissance à des très belles boîtes dans quelques années. Donc, ce genre de choses. Okay. Merci. Lorsque vous êtes amené à étudier un projet de tech, et à l'apprécier, est-ce que vous faites une différence notable entre un projet qui vient de l'université ou des organismes de recherche publique et un projet qui a été complètement développé par une start-up dans son garage, notamment compte tenu du fait qu'on a un peu évoqué tout à l'heure que les transferts de technologie avec l'université ou certains organismes, c'est long, compliqué, etc. Donc est-ce que vous faites une différence entre ces deux types de projets ? Projet issu de la recherche par rapport au projet type start-up classique. Moi, j'aurais tendance à dire que non. Je pense que tous les projets sont étudiés, analysés sur les mêmes critères. Alors après, en fait, ça dépend beaucoup des thématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, typiquement aux sciences de la vie, il y a peu de molécules qui se découvrent au fond d'un garage. Donc forcément, il y a un lien académique fort et le projet de recherche, les personnes impliquées, les key opinion leaders, ça crée une crédibilité. Forcément, on l'utilise pour évaluer le projet. Après, dans la nouvelle vague deep tech, ce qui est intéressant, c'est qu'on est moins sur du transfert technologique linéaire. C'est-à-dire qu'il y a une innovation dans un labo, on met un porteur de projet, on commence à étudier si effectivement il y a un marché, quel est le but d'aborder, c'est quoi les segments, etc. Qui était le mode un peu de transfert technologique traditionnel aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur toutes les thématiques qu'on a annoncées tout à l'heure, sur l'IA, sur l'IoT industrielle, la robotique, etc., la cybersécurité, très souvent, ce n'est pas des projets qui émergent dans le monde académique, en fait. C'est soit dans le garage ou ailleurs, mais en tout cas, c'est des projets qui ont une forte dimension technologique. À un moment donné, ils vont devoir se rapprocher de laboratoires de recherche.
Et nous, par exemple, c'est ce qu'on fait avec PSL et Inaria, c'est-à-dire que ces projets sont éligibles à ces fonds. Alors le premier, PSL, est plutôt exclusif, Inaria pas du tout. Et l'idée, c'est de créer aussi des synergies entre le monde de la recherche, qu'il soit public ou privé, et des start-up, des entrepreneurs qui ont des idées et qui ont besoin d'expertise technologique avancée. Et ça, c'est un mode de transfert technologique d'innovation qui marche plutôt bien. Et forcément, après, on évalue un projet, on fait le point sur effectivement la partie, forcément sur un projet extérieur, la dimension scientifique, solidité, elle n'est pas encore là, et il va falloir la créer, donc c'est aussi l'objectif de financer une phase de cycle pour les aider à acquérir cet avantage technologique et préparer le coup d'après pour leur offre produit, en fait. Donc on les regarde de la même manière, mais effectivement, le résultat de l'analyse est un petit peu différent et la manière dont on va s'impliquer ou aider est aussi différente. Mathieu, tu as des commentaires sur la différence entre projet qui vient des labos et projet de start-up plus classique? Non, je pense que nous, de notre côté, on n'a pas un filtre différent, on regarde tous les projets de la même manière, tout qui sorte. Après, effectivement, on sait qu'il y a certaines pathologies qui sont plus fréquentes dans un cas ou dans un autre. Et donc, pour nous, c'est plus des points de vigilance. Et donc, on va peut-être être un petit peu plus vigilant sur certains points que pour des projets qui arrivent plutôt sur des startups ou que pour des projets qui arrivent de labo et des choses comme ça. Mais globalement, même critère d'investissement pour les gens. Je vais peut-être ajouter quelques chiffres. On voit effectivement une tendance où il y a de plus en plus de projets qui ne sont pas des spin-offs de laboratoires de recherche. Il y a deux ans, c'était 40% dans les milliers de startups en milieu de challenge. Là, en 2019, c'était plutôt un tiers, donc 32, quelque chose comme ça. Donc, on voit effectivement ça. Donc, moins de. Enfin, même croissante, c'est pas qu'il y en a moins qui viennent de la recherche, c'est qu'il y en a encore plus qui viennent de la. De projets indépendants. Oui, ou ça peut être des ingénieurs ou même des gens qui ont un PhD, mais qui ne vont pas forcément valoriser le travail sur lequel ils étaient dans le laboratoire de recherche, mais qui vont utiliser leur savoir-faire, leurs connaissances pour développer une start-up, mais peut-être en dehors de leur. Pas en tant que spin-off officiel, ils valorisent le développer. Je me dis qu'en France, on a un avantage, c'est que les PhD sont assez mal payés, donc ça peut-être ça les motiver pour lancer plus de startups. Ok, je pense que là, on est déjà à 35, donc à moins que la question soit extrêmement courte et très bonne. Est-ce que tu peux faire ça? Alors, voilà. Tiens. Bonjour, je viens de Bruno, Société Cantonation. J'ai eu l'occasion de discuter. On a une approche qui est assez similaire à l'ARBUS et SOSV. On a une recherche qui est extrêmement compétitive en Europe, autant qu'aux États-Unis. En revanche, les startups ont plus de mal à se financer, surtout en deep tech. Pourquoi? Écoute, si tu poses la question maintenant, on n'a pas fait le boulot avant. Moi, je vais donner une réponse assez rapide là-dessus. C'est trop peu d'investisseurs sont familiers des domaines. Ils ont l'impression qu'il faut connaître beaucoup de choses très techniques pour se lancer. Et ils ont du mal à évaluer l'état d'avancement d'un projet tant qu'il n'est pas enfin commercial. Donc ça, c'est ma perception. Alors dans le quantique, moi je ne m'avancerai pas parce qu'on n'a pas fait de deal là-dedans, je sais que c'est ma spécialité. Peut-être un peu pour conclure, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer le financement des startups deep tech? Non, je pense qu'il y a effectivement, c'est ce que vous essayez de faire là, il y a une partie éducation des acteurs de l'investissement, il y a une partie éducation des acteurs aussi des startups, parce qu'effectivement, une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas financés des fois, c'est que ce ne sont pas des projets qui sont finançables par des VC, ce sont des futurs PME, des petites tailles, mais ce ne pas des projets ici. Donc pour moi, ça c'est vraiment une question d'éducation. Et après, je pense qu'il y a aussi un point de vigilance collectivement pour l'ensemble de l'écosystème, c'est que même si on arrive à faire émerger tout un écosystème de start-up deep tech, il va falloir être capable de les emmener le step après, etc. Et donc moi, je trouve que... Jusqu'à la sortie. Exactement. Et donc je trouve c'est très important de s'assurer qu'on construit un pipeline où on n'est pas en train de créer un deep flow qui, de toutes les façons, va partir ailleurs plus tard.
Et donc ça veut dire que si aujourd'hui il y a beaucoup d'activités sur la deep tech early stage, je pense que c'est important aussi que l'écosystème anticipe la deep tech growth et plus tard, pour s'assurer que l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble de ce pipeline, va grossir à une vitesse qui est harmonieuse et qu'on ne se retrouve pas à dire bah, on avait un funding gap au début du pipeline, et bien finalement on a juste repoussé et on a toujours le problème. Parce qu'on va juste arriver à mettre sous perfusion des boîtes qui, au